Les professionnels du végétal, les arbres, les plantes, les fleurs vous présentent Mission Végétale. Qui n'a jamais été tenté par l'idée de faire pousser plein d'épices chez lui? Frédéric a toujours des idées de recettes en tête, mais il lui manque parfois un petit je ne sais quoi pour réussir ses plats. Marc-Henri, notre pro du jour, sait ce qu'il faudrait pour cuisiner des saveurs inédites. Tu vois, Gauthier, ce poivrier du Sichuan, je le verrais bien ici. L'idée, c'est qu'on aurait peut-être pu aménager cette terrasse avec des plantes qui ont des goûts vraiment surprenants. Bah écoute, très bonne idée, c'est parti. Marc-Henri installe deux variétés de poivre du Sichuan. L'un dont on récolte les baies, l'autre les feuilles. Il rempote un magnifique yuzu dont on utilisera les fruits. Et il plante du gingembre. L'avantage avec les pots, c'est qu'il est toujours possible de les rentrer en cas de gel. Les baies du poivrier du Sichuan se cueillent et il vaut mieux les faire sécher pour les cuisiner, griller, concasser ou en poudre. Et ça sent bon ! Oui. Mission Végétale vous a été présentée par les professionnels du végétal, les arbres, les plantes, les fleurs.